espaces verts et dans les écoles. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier Ministre, vous venez de fixer le cap de votre gouvernement. Emploi, pouvoir d'achat, compétitivité des entreprises et soutien à l'innovation française. Or, de très nombreuses grandes entreprises françaises s'en vont. Aujourd'hui, vous avez à faire un arbitrage qui impacte 45 millions de Français et leur accès mutualisé à des prestations de qualité, qui menace les 10 500 salariés d'entreprises spécialisées et 40 000 sous-traitants et prestataires, qui ne peut être appréhendé que sous le prisme du prix, comme le fait Madame la ministre de la Santé, et qui interdit au marché national l'accès à l'innovation d'une filière de pointe reconnue mondialement. Cette filière d'excellence, exportatrice, innovante, dont les fabricants sont soutenus par le produire en France, est celle de la fabrication de l'optique ophtalmique. Présente dans 77 sites en France, le savoir-faire spécialisé de la fabrication des montures fait vivre des bassins d'emploi à Morez, dans le Haut-Jura, à Oyonnax. La recherche, l'innovation et la fabrication des verres ophtalmologiques font vivre des bassins d'emploi à Dijon, Émeraînville, Fougères, Provins, Cézanne, mais aussi Ligny en Barrois. Ces entreprises familiales, ces grands groupes soumis à la concurrence internationale, sont aujourd'hui menacés sur le marché national. Récemment, votre majorité a adopté différentes lois qui visent soit à libéraliser, soit à réguler, soit à administrer ce secteur. Les conséquences de ces mesures vont indéniablement se traduire par une casse industrielle sans précédent. Ces mesures sont injustes socialement, injustes pour le pouvoir d'achat, injustes pour l'emploi. Vous condamnez irrémédiablement la fabrication française et ses salariés dans une filière encore très implantée en France. Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous remédier au désastre économique, conséquence des mesures dogmatiques adoptées contre la filière de l'optique ophtalmologique ? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Christine Dalloz. L'enjeu pour nous est évidemment de permettre à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir accéder à des soins de qualité. Et dans chacune de vos permanences, Mesdames et Messieurs les députés, vous rencontrez des hommes, des femmes qui viennent vous dire que les lunettes sont trop chères, que les frais d'optique sont trop chers, qu'il leur est parfois difficile de se soigner dans des conditions accessibles. Et donc la seule volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette filière économique, cette filière industrielle d'excellence, permette de garantir des soins de qualité à l'ensemble de nos concitoyens. Et il n'y a aucune raison que les lunettes ou que les frais d'optique coûtent plus cher en France qu'ils ne coûtent chez nos voisins. Il n'y a aucune raison pour que nos concitoyens ne puissent accéder, tous nos concitoyens, à des soins de qualité dans l'ensemble des secteurs qui les concernent. La politique du gouvernement a une seule exigence, la qualité des soins, l'accès aux soins pour tous en permanence. Et donc nous avons la volonté de faire en sorte que la qualité de notre filière optique soit renforcée et maintenue. Et d'ailleurs, nous avons engagé avec l'ensemble des acteurs industriels, des relations qui permettent de conforter les secteurs d'excellence, les secteurs d'innovation et les secteurs d'amélioration des produits qui sont proposés. Mais dans le même temps, le gouvernement a la volonté, et c'est ma responsabilité, de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens soient soignés et soient pris en charge dans de bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'assurance maladie, avec les complémentaires santé, nous faisons en sorte de permettre l'accès aux soins d'optique pour tous dans de bonnes conditions financières.